Mon cher Maxino, ça, son contribution que nous devons faire dans l'association des anciens du Collège Notre-Dame pour nous montrer police au Cap-là que nous pas seul, ok? Le combat qui peut marcher bien dans le pays, nous critiquer, nous voyer pied, nous faire manifestation. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de Haïtiens qui soit qui sont dans l'autre côté en Haïti, soit qui vivent au Cap Haïtien, ou bien qui sont dans la diaspora, qui trouvent que yo en sécurité pour yo venir fêter Notre-Dame au Cap Haïtien. Et bien ça, c'est en large partie vu à travail que la police nationale a fait dans le Cap Haïtien. Nous avons une force police qui a fait le job. Donc nous-mêmes, nous avons voulu, dans l'association des anciens du Collège Notre-Dame, montrer aux policiers que nous pas seuls et que bien que nous-mêmes, nous ne pas vivre au Cap, nous apprécions le travail que nous avons fait. Donc c'est pour ça que nous faisons geste ça, que nous trouvons son geste symbolique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et la contribution ça que nous faisons, n'est pas sorti dans l'argent que nous ramassons dans l'activité. Parce que ça va détournement de fonds. Parce que les gens qui contribuent dans l'activité, ils contribuent pour le Collège Notre-Dame. Donc, c'est membres du conseil d'administration, association des anciens du Collège Notre-Dame, c'est nous-mêmes qui contribuons pour nous faire une contribution ponctuelle à la police nationale. Et nous avons profité pour nous souhaiter tout le monde qui a fêté avec Monocap, bonne fête et Notre-Dame.